Parmi les milliards de créatures engendrées par l'esprit de la ruche, il en est une qui est aussi ancienne que l'ordre tyrannide lui-même. Elle se situe au sommet de l'espèce tyran des ruches et constitue l'ultime maillon par lequel se répand la volonté de l'esprit de la ruche. De fait, elle est au tyran des ruches ce que celui-ci est au termagante. C'est un monstre cauchemardesque qui s'est nourri d'empires entiers et a assisté à l'extinction d'innombrables civilisations. Il est le destructeur de mondes et porte de nombreux noms. Grand vecteur de l'esprit ruche, héros de la dévoreuse ou destructeur de l'empire Kala. Pour l'impérium de l'humanité, il est le maître des essaims et incarne à lui seul le terrible fléau qui menace toute la galaxie. Depuis la première guerre tyrannique, le maître des essaims trace un sillage sanglant à travers la Voie lactée. Il est responsable de la disparition du système Mégir entier, de l'extinction de la civilisation Brinar et de l'engloutissement de la Wag Gorgluk. Non seulement ces événements se sont produits sur plusieurs siècles, mais ils furent également perpétrés par des flottes ruches différentes. Il semblerait donc que le lien existant entre le maître des essaims et l'esprit de la ruche soit si fort qu'il transcende les frontières physiques entre les différentes flottes ruches. Si le maître des essaims périt sur un champ de bataille, l'esprit ruche absorbe sa conscience par l'intermédiaire du réseau synaptique. Son esprit et sa constitution étant inscrites dans la toile de conscience collective des tyrannides, cette créature est donc immortelle et peut renaître pour retourner combattre, chaque incarnation plus intelligente et plus forte que la précédente. Sa réincarnation semble être un réflexe de l'esprit de la ruche, provoqué lorsque sa proie ne peut être détruite par les processus habituels d'adaptation biologique. Si l'engeance tyrannide se renouvelle sans cesse en assimilant de nouvelles ressources biologiques, et qu'elle est capable d'expérimenter de nouvelles stratégies adaptatives dans son évolution plus rapidement que n'importe quelle autre espèce intelligente. Ce processus demeure néanmoins trop lent pour répondre aux changements de tactique opérés par certains généraux. La raison d'être du maître des essaims est la nécessité de prendre de vitesse tout ennemi développant de nouvelles stratégies. Il possède donc une sorte d'autonomie, plus grande que pour toute autre espèce tyrannide. Il combine ses propres ressources à une expérience stratégique collective accumulée durant des éternités de carnage. Sa ruse extraterrestre est si grande qu'à plusieurs occasions durant la bataille de Makrag, il est parvenu à surprendre les Ultramarines, des guerriers qui figurent pourtant parmi les meilleurs stratèges de l'humanité. Au dernier jour du 41e millénaire, une vrille colossale de la flotte ruche Léviathan s'est abattue sur le monde chapitral des Blood Angels, Baal, et ses deux lunes, Baal Prime et Baal Secundus. D'innombrables essaims de bioformes hurlantes se sont alors jetés sur les défenseurs Blood Angels, appuyés par leurs chapitres successeurs. Au cœur de l'host tyrannide qui assiégeait la forteresse monastère de Baal, rôdait un terrible tyran des ruches, maniant quatre épées d'os dentelées. Ce monstre sema une dévastation effroyable lors de l'assaut, massacrant un grand nombre de Space Marines, tout en dirigeant ses hordes au combat avec une intelligence fatale. Alors que la bataille atteignait son paroxysme, le maître de chapitre Dante en personne s'avança pour défier l'immense bête. Dante fut gravement blessé par le combat, mais d'un puissant coup de sa hache mortalis, il pourfendit son ennemi. À bout de souffle et décimé, le chapitre des Blood Angels ne dut son salut qu'à l'arrivée du Primarque Gilliman et du renfort de ses Space Marines Primaris. Nul ne sait ce qu'il advint du maître des essaims lorsque la Cicatrix Maledictum déchira la réalité et dévora la vrille de Behemoth qui encercle les balles.
mais seul un fol optimisme permettrait de croire que la galaxie est débarrassée de cette créature. S'il venait à réapparaître comme il l'a fait tant de fois, l'expérience que le maître des essaims a accumulée lors de la guerre dans le système de Baal le rendrait plus redoutable que jamais.